Le Fonds d'Action Christophe Février, en partenariat avec l'Union Nationale du Sport Scolaire, présente Goal 2030. Malheureusement, la France est le quatrième pays émetteur de CO2 en Europe. C'est pourquoi notre objectif, à travers cet événement, est la promotion des valeurs de l'éco-responsabilité par le sport et l'éducation. Et alors, Goal 2030, c'est quoi? C'est un tournoi de handball à 4, adressé aux collégiens des 6 coins de la France. 17 équipes seront présentes afin de représenter les 17 ODD. Le tournoi se tiendra du 31 mai au 2 juin 2018 au gymnase de l'écoquartier de Montévrin. Un village vert sera créé en parallèle de l'événement sportif. Mais un ODD, c'est quoi? Les objectifs de développement durable sont 17 objectifs mondiaux établis par les Nations Unies que 193 États se sont engagés à atteindre à l'horizon 2030. Ils définissent les cibles telles que la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes, la lutte contre le changement climatique et bien d'autres. Et Goal 2030, c'est grâce à qui? Cet événement est devenu possible grâce à l'activité du Fonds d'Action Christophe Février visant à agir pour l'écologie, la culture et l'éducation. Didier Dinard, ancien joueur et actuel entraîneur de l'équipe de France de handball, et Elix, premier ambassadeur virtuel des Nations Unies créé par Yassine Aït Kassi, seront les parrains de l'événement. Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires. Rendez-vous en mai 2018.